vas à Dakar. Et en plus, demain, on verra la finale entre les Sai Sai et les Lions de Wakam. Hé, hey, Fédé, ça t'embête si j'appelle mes parents? Bien sûr que non. Tiens. Ça ne répond pas. Arrête de stresser, Gabriel. Tu les vois après-demain, tes parents. C'est la finale des sélections. Franchement, ils comprendront que tu es décalé d'un jour. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Les Bleus champions du monde, hein? Quel honneur! L'honneur est pour nous. Vos exploits ont fait le tour du monde. Je suis Fatou, capitaine des Sai Sai. Et voici Tala, Pap, Yaku et Kadir. Ça vous dirait de venir chez nous au Lacrosse faire un petit match? C'est pas loin d'ici. Avec plaisir. C'est magnifique. Vous avez vu l'eau, les enfants? C'est le sel qui donne cette couleur au lac. Je me trompe, Fatou? Non, non, monsieur Fédé. Si on est venu ici, c'est parce que moi et mon équipe, on n'habite pas loin. Mes parents sont ramasseurs de sel. Alors ce match, on le fait? C'est parti! Vous êtes sûr? On voudrait pas vous casser le moral avant la finale. Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire, hein, Jérémy? Mais oui, je sais. D'ailleurs, on va jouer pieds nus aussi, histoire de leur laisser une chance. Si vous n'êtes pas habitué, vous feriez mieux de garder vos baskets. Bon alors, quel est l'enjeu? Vous gagnez, on vous laisse notre ballon. On gagne, vous nous laissez le vôtre. Dédicacé. Ok, ça marche. Ouais! Les Bleus se sont fait avoir comme des Bleus. Ouais! On va pas se laisser balader comme ça. Samira, verrouille un peu ta défense. Pense à notre réputation. T'es un comique, toi. Ils sont super bons. Je fais ce que je peux. Et merci pour ton idée de jouer pieds nus. Crétin. Hey, on reste concentrés, les Bleus. Gab, passe! Mais qu'est-ce que t'attends, bon sang? Je suis démarqué! Gabriel, attention! T'es nul, Gabriel! Victoire des Sai Sai, 2-0. Hey, petit pied douillet, je crois que t'aurais dû garder tes baskets. T'as pas compris, ça lui fait une excuse. Bravo, je voudrais pas être à la place des Lions de Wakam. Sois un peu plus discret. Et ferme-moi la bouche, on dirait un crapaud qui gobe une mouche. Félicitations, vous avez super bien joué. C'est nous qui devrions vous demander un ballon dédicacé. On va se balader. Avec Jérémy et Samira, on va faire un tour au marché. Vous voulez venir avec nous? Ça fait 2 ans qu'on rêve de cette finale. Alors, on va s'entraîner jusqu'à la dernière minute. Eh bien, bonne danse. Chance pour demain. Elle est mignonne, ah. Fatou. Hein, Gabriel? Âge mental, 3 ans. Gabriel, j'ai tes parents au téléphone. Djembe que Requin voulait qu'on ramène. Il a dit qu'il voulait le plus gros. Je m'en occupe. Qui c'est le roi de la négo? C'est Bibi. Laisse faire l'expert. T'es sûr de pas passer inaperçu. Mais, et le djembé de Requin? Tada! T'as fait une super affaire, Requin va être ravi. Ouais, bah n'empêche que c'est un porte-clés musical. Salut, je m'appelle Ahmed. Vous, ça se voit tout de suite que vous êtes des touristes. Et faites gaffe de pas vous faire avoir sur le marché. Vous savez, quand on connaît pas, hein?
hein? Moi, c'est Samira. Elle, c'est Héloïse. Et le type déguisé, c'est Jérémy. Je peux vous faire visiter Dakar. Je connais la ville par cœur et puis vous avez une bonne tête. Alors, je vais vous faire un prix spécial, pote. Pourquoi pas? Allez, venez, vous le regretterez pas. En plus, c'est satisfait ou remboursé. Et vous aimez le foot? Ici, tout le monde aime le foot. Dites, vous connaissez un peu le foot de rue? Oui, un tout petit peu. Alors, j'ai un top plan pour demain. Un match d'enfer, la finale des sélections du prochain mondial. Cool. Et toi, tu joues au foot de rue? Quoi, si je joue? Attends, moi, je suis un boss. Hey, j'ai affronté les bleus champions du monde. Et si j'avais pas eu la cheville foulée, hein, eh ben on les aurait battus à plate couture. Wow, mais alors t'as rencontré Jérémy, le plus fort, le plus beau de l'équipe, hein? Bien sûr, il est trop génial. Alors, tu les vois quand tes parents? Ils m'attendent demain soir. Je vais chercher un autre thé, t'en veux un? Pourquoi pas. Compris. Oui, c'est d'accord. Fatou, ça va? C'était qui? C'était personne. Ah, oh, pas commode. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, et 7. 1, 2. Mes amis, l'association Enfants du Monde est fière de vous annoncer la présence parmi nous aujourd'hui de Tag, de Gabriel et de l'équipe championne du monde en titre de foot de rue. Et maintenant, place au match! Hein? Lui? Tag, je crois qu'il y a un problème. Ce gars, je l'ai vu parler à Fatou tout à l'heure et il lui disait pas des mots doux. C'est vrai, Fédé, tu les as vus jouer contre nous hier. C'était pas les Sai-Sai, là. Y a un truc qui va pas. Peut-être la pression. Ils ont fait exprès de perdre, ouais. C'est drôle, mais j'ai la même impression. Pourquoi ils auraient fait ça? Hé hey! Mais qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a perdu. T'es un vrai pot de colle, toi. Dégage! Je reviens. On a gagné, papa. 4-0. Bien sûr qu'on est les meilleurs. Je vous félicite pour votre victoire. Merci. De la part des champions du monde, ça me va droit au cœur. Les Sai-Sai étaient un peu en dessous aujourd'hui, non? La peur de gagner, c'est classique. Ouais, ou bien la peur tout court. Qu'est-ce que t'essaies d'insinuer? Juste que c'est bizarre. On aurait dit que les Sai-Sai avaient décidé de perdre. Tu ferais bien de faire gaffe à ce que tu dis. Pourquoi tu t'énerves? Bouffon, va. On n'a rien à se dire. On se reverra au mondial. Qu'est-ce qui se passe, Sankun? Rien.
Un fan des Sai-Sai qui a mal digéré leur défaite. Le match était truqué. J'ai vu Sankun, le capitaine des Lions de Wakam. Il est pas clair. Et je viens de parler à Fatou. Elle cache quelque chose. Waouh, les Bleus, on ne s'emballe pas. Les Lions ont gagné. Alors les convictions, c'est bien. Mais sans preuve, pas question de contester le résultat. On va pas en rester là. Oh non. Fatou, je peux te parler ? On est au courant pour Sankun, faut pas t'en faire. Je suis désolée, j'ai pas été très correcte avec toi. Les Bleus et moi, on va faire rejouer la finale. On sait tout et on va en parler à Fédé. Fais pas ça, tu sais rien, rien du tout. Sankun me tient. Il a dit que si on gagnait, son père s'arrangerait pour que mes parents ne puissent plus jamais louer une seule pirogue. Une pirogue ? Mes parents ramassent le sel au lac Rose. Ils louent la pirogue qui leur sert à recueillir le sel. Ce sont des pirogues spéciales et très très chères. Sans pirogue, pas de travail. Et comme on est 6 dans la famille, alors... Il peut pas faire ça ! Bien sûr qu'il peut. Son père est puissant. C'est le plus gros exploitant de sel du lac Rose. C'est lui qui loue les pirogues. Le mondial, c'était un rêve. Ça m'a crevé le cœur de faire ça. Mais on n'avait pas le choix. C'est écœurant. On va trouver une solution. Tu vas me promettre de rien dire à Fédé. Promets-le-moi. Je te le promets. Merci. Faut que j'y aille, sinon je vais louper le bus. Tiens, comme promis. Si tu tiens un peu à moi, n'oublie pas ta promesse. Tu peux me faire confiance. Alors, t'as pu lui parler ? Ouais, et ça va te paraître incroyable, mais il n'y a pas eu de tricherie. Les Sai-Sai ont perdu le match à la régulière. Quoi ? T'es sûr ? Certain, Fatou me l'a confirmé. Et elle était sincère. Hé, hey, Gabriel ! T'en fais une tête pour quelqu'un qui va retrouver ses parents qu'il n'a pas vu depuis 6 mois. Hé, hey, oh, c'est quoi cette ambiance ? J'ai un plan. Si on se faisait une petite virée à l'île de Gorée ? Je peux pas laisser faire ça. Je peux pas. Les Sai-Sai ont fait exprès de perdre la finale. Et je sais exactement pourquoi. Fatou m'a tout raconté. Mais... Je sais. J'ai menti tout à l'heure, Tai. J'ai promis à Fatou de ne rien dire, mais je peux pas me taire. Sankun lui a fait un chantage immonde. Je peux pas laisser faire ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Cuisiner les lions de Wakam et leur faire cracher le morceau. Eh, faudrait déjà les retrouver. Moi, je sais comment. Je sais où ils s'entraînent. J'ai déjà été les voir des tas de fois. Pourquoi vous voulez leur parler ? On veut qu'ils nous signent des autographes. Et une fois qu'on les aura retrouvés, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on leur rentre dans le lard. Génial, t'as rien de plus subtil. Il faut penser à Fatou et éviter à tout prix que Sankun mette sa menace à exécution. Je crois que j'ai une idée. On y est. Faut attendre. Ils vont venir, ils s'entraînent tous les jours. Tu te débrouilles pas mal, hein? Allez, vas-y, passe! Les voilà! Sankun! Qu'est-ce que vous venez faire ici, les Bleus? Les Bleus? Quoi? Vous êtes les Bleus champions du monde? On est venu vous lancer un défi. Un défi? On a affronté les Sai-Sai hier et ils nous ont battus. On est au courant. Faut croire que les champions du monde ne sont plus ce qu'ils étaient. Les Sai-Sai nous ont battus et vous les avez battus. Donc logiquement, vous devriez nous mettre une raclée. C'est clair, sans problème, hein, Sankun ? Bien sûr. Déjà, qu'on était plus qu'on était. On sait pourquoi les Sai-Sai ont perdu, Sankun. Tu veux que je leur raconte l'histoire ou tu le fais toi-même ?
Le foot de rue a un code d'honneur qui doit être respecté. Je crois que Sankun a quelque chose à vous dire, les lions. Sankun, qu'est-ce qui se passe? De quoi il parle? Je pouvais pas perdre. C'était juste pas possible. Dans la famille, on est des gagnants. Qu'est-ce que mon père aurait pensé de moi? Alors j'ai menacé les Saïsaï. Je les ai obligés à perdre. Quoi? Je suis vraiment désolé. Je mérite plus d'être votre capitaine. Il faut annoncer la bonne nouvelle à Fatou. Oui, et aux autres Saïsaï aussi. On va s'en charger, Gabriel. Toi, t'as tes parents qui t'attendent, non? Oui, mais je dois d'abord venir avec vous. T'es pas obligé. Si tu viens pas, on comprendra. Non, non, je vais pas vous laisser tomber. Je vais appeler mes parents. J'irai les voir après. Allez, dis plutôt que t'as envie de revoir Fatou. Tu m'as fait donner ta parole. Je sais, mais je pouvais pas laisser faire. C'était au-dessus de mes forces, Il a eu raison. T'inquiète pas pour le chantage, Fatou. Tes parents n'ont rien à craindre, quoi qu'il arrive. Je regrette, sincèrement. J'ai tout raconté à Fédé, et ce sont les Saïsaï qui sont qualifiés pour le mondial. On va participer au mondial? Merci. Faut que je prévienne les autres. C'est courageux ce que tu viens de faire, Sankun. J'accepte tes excuses et je te propose un truc. La finale, on va la rejouer. Hein? Oui, je sais, maman. Je suis désolée. Vraiment. Hein? Oui. On repart en avion demain. Non, je peux pas rester. On se verra bientôt. Je vous aime, moi aussi. Tu joues avec nous, Gab? Non, non. J'ai pas trop le cœur à ça. C'est à cause de tes parents? Dire que j'étais venue exprès pour les voir? Oui, je sais. Mais ça aurait été une belle aventure malgré tout. Allez, viens, ça te changera les idées, Gab. Je suis fier de toi, mon fils. Tu t'es bien battu. Mieux vaut une belle défaite qu'une victoire non méritée. Alors, tu ne m'en veux pas? C'est une leçon dont tu es sorti grandi. Je sais que tu ne recommenceras pas.
j'offre au valeureux gagnant de la finale une pirogue pour le ramassage du sel. On dirait qu'on va se recroiser. Il faudra déjà que les Bleus se qualifient pour le prochain mondial. Pas de souci. Les Bleus sont juste imbattables parce que si c'est la condition pour te voir, je serai imbattable. Eh bien, je vois que Gabriel s'est très bien adapté à la vie sénégalaise. Du coup, les Bleus ont eu une petite idée et m'ont chargé d'un message. Un billet d'avion ? Mais... Tu restes une semaine de plus. Avec l'accord de la mère Adélaïde, bien sûr. Nous, on rentre en France par le premier avion. On s'est dit que tes parents seraient quand même très déçus de ne pas te voir. Salut requin, on a le djembé comme promis. Jérémy a négocié comme un chef. Et en plus, il fait de la musique. Mais pour le vrai shopping, y a pas mieux que les filles, hein Jérémy? Hein? Cool, merci les bleus. Je peux garder aussi le petit, il est trop cool. Mais où il est Gabriel? Disons qu'il a trouvé le moyen de prolonger ses vacances. Dis donc, fiston, tu nous as fait languir.